Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 51e épisode, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je me rappelle plus trop ce que j'avais fait, pourquoi je l'avais fait. Je sais que je suis parti par là, je crois, parce que j'avais vu des grosses armées par ici, je voulais choper Horticia. Enfin bon, je vois aussi qu'il y a un bout d'armée ici, là. On va voir si on peut l'intercepter ou pas. Ils ont combien d'hommes? Ils ont 44 infanteries. Ils ont surtout beaucoup d'infanterie. Moi, j'ai pas mal... Hop, on l'a attrapé. J'ai vu qu'il y avait du rouge à côté. Vous savez ce que je pense de vous. J'espère que c'est important. Je crois que tu ne m'aimes pas. Hein. En effet, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Oh, bah, je crois que j'ai exécuté... Oh, j'ai dû exécuter quelques-uns de tes amis. De tes amis. Mais vois le bon côté des choses. J'ai exécuté plus de tes ennemis. Hein. Attends. Ex-épouse, ça c'est pas moi, je suis presque sûr. Assez là, je suis presque sûr que c'est moi. Morcan ou Morcan, je suis presque sûr que c'est moi. Bah tu vois, il te reste encore un fils. De quoi tu te plains? Bah remarque, je peux t'ai... Tu sais quoi? Moi je vais... Je suis sympa. Tu sais quoi? Mea culpa, ma faute. C'est vrai que j'ai exécuté tes enfants et peut-être ton ex-épouse. Peut-être, hein, je sais pas, ex-épouse, ça je suis pas sûr. Mais vu que je suis grand seigneur, je vais t'envoyer les rejoindre. Hein. Moi, ça me pose aucun problème. Form a wall, footmen! Forward! J'ai pris mes cavaliers. Follow me! Je vois bien ce qu'il y a. Hein. Je laisse tout le monde là-bas. On va aller vite se faire une passe là. Hop là, il est un peu raté. Donc là, ça s'est bien passé. Ok, là je m'en suis pris une bonne. On va se faire une passe. En passant. F1. Ah, là-bas, il recharge. F1, F3. Donc je leur donne la charge. Sans formation, hein. On n'est pas là pour faire dans la finesse. Mince, j'ai manqué là. Ok, il est tombé de cheval. Allez. Là-bas, ça se passe plutôt bien. Allez les gars, faut qu'on les finisse. Ah, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu que 6 morts. Dans mes 6 morts, j'ai perdu un fantassin vétéran. Ouais, d'accord. Une recrue langienne. Un pillard. Le pillard, je m'en fous. Moi, j'ai pris pour mourir. Un fantassin impérial entraîné, ça m'embête un petit peu plus. Un troupier vlandien, je sais pas trop ce que c'est. Un guisarmier vlandien, je sais pas ce que c'est non plus.
Moi, je prends du niveau encore, ça me va bien. Non, ça s'est bien passé, on a quand même tué 63 bonhommes, enfin, on a mis hors de combat 63 bonhommes, en n'en ayant perdu que 22. Sachant que dans les 22 qu'on a perdu, on a que 6 morts. On va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre. J'ai récupéré 1500 balles au passage. Bon, tu es mon prisonnier, hein, tu connais la musique. Hein. Je prends tout ce qui est... J'ai beaucoup de prisonniers ou pas? Ah ouais, je commence à être pas mal au niveau des stocks. Ouais, bah, on va prendre. On va prendre. Oui, je sais. Oui, je sais que j'ai énormément de prisonniers. Oui, je sais. Je sais, c'est comme ça. Oh tiens, j'étais parti si loin que ça. Attendez, la cité la plus proche, elle est où? Voilà, on va essayer de rentrer ici. Ensuite, on va aller parler à nos prisonniers. Tiens, moi j'ai pris du niveau. Ah, j'ai un point. J'avais dit qu'il fallait peut-être que je mette un point en archerie, hein, finalement. Hein, que ça pouvait servir pour débloquer potentiellement plus loin. Ou sinon, en commandement. Commandement, j'y suis pas encore. Équitation, qu'est-ce que je peux avoir? Soit la précision est améliorée 15% quand je suis à cheval. Maintenant que je tire, ça pourrait être bien. Soit j'ai une taille du groupe plus 2. Bah, je prends le groupe. Je prends le groupe. Et je mets un point là-dedans. On va voir ce que ça va me débloquer. Donc ça me débloque juste la précision de 10%. Il faudrait que je mette un deuxième point pour avoir potentiellement... une vitesse de visée de 10%. Ça pourrait être bien parce qu'on voit que c'est super long. Hein, le moment où j'appuie pour bander l'arc et le moment où il bande en effet. Ouais, parce que ça peut être sympa. Faudrait que j'ai 150 points, quoi. Mais 150 points, c'est beaucoup. Remarquez, j'investis dans l'épée alors que maintenant, ça va plus. Mais ça m'a bien servi, n'empêche, pour les combats. Ici, il y a quoi? Là, il faudrait peut-être que je me trouve une lance qu'on peut coucher. Hein. L'athlétisme, on commence à plus trop en avoir besoin. La forge, j'y ai pas mis de point. Arme de jet, j'ai juste mis un point histoire 2. Hein. Je pense que l'archerie, je vais faire pareil. Je vais peut-être claquer juste un point histoire 2. Je vais pas pousser jusqu'à atteindre les 150. Au niveau tactique, vous permet de placer vos troupes avant chaque bataille. Bah, ça, c'est bien. Comme ça, je vais pouvoir faire des formations un peu plus complexes. On est d'accord. Le commandement. Augmente le nombre de munitions de 20%. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Qu'on ait tous 20% de flèches en plus. Le commandement, c'est bien. Le charme, c'est bien. Le place du marché, le commerce. Ça, c'est sympa. Mais j'ai vu qu'il y avait un exploit dessus. Qu'il y avait un bug. Quand on peut acheter les villages et compagnie. Ok. L'intendance. Ouais, l'ingénierie, il y a un truc qui fait construire plus vite ou pas, du coup. Ça peut être bien, finalement, les engins de siège qui ont 20% de points de vie en plus. Maintenant que je sais comment ils servent, oui, en effet, ça peut être bien, quoi. D'accord. Bon, bah, on va terminer. Prisonnier. Déjà, on va améliorer ce qu'on peut améliorer. Je manque beaucoup de piétaille, hein, qu'on soit clair. Alors, toi, tu veux me parler ou tu veux pas me parler? Je pense pas que t'as envie de me parler. Non, il a rien à me dire. Lui, il a rien à me dire. Et son copain, est-ce qu'il a des choses à me dire? Ne faites rien de stupide. En effet, il a rien à me dire. Ok. C'est mes troupes à moi, ça. Hein. Là, on voit, ils sont tous blessés. Tous blessés. C'est pas que j'en ai pas, c'est qu'ils sont tous blessés, tout simplement, quoi. Bah, écoutez. On va aller à la cité. On peut pas recruter. Et bah, quand on peut pas recruter, vous connaissez ma musique, hein. Puis de toute façon, c'est pas bien de les laisser souffrir comme ça, ils sont prisonniers et en plus j'ai pas de médecin pour m'occuper d'eux. Non, franchement, c'est pas correct. C'est pas correct. Eux, on va s'en débarrasser. Les veilleurs, je m'en débarrasse. C'est les prisonniers, on est d'accord.
Je suis à 59 sur 43. Moi, ça devrait tenir, le lancier, voilà. Ça va éviter que ça déserte trop facilement, en fait. Voilà. Ça évite que ça déserte trop rapidement. Et je garantis pas qu'on me laisse accès à la ville, c'est aussi pour ça que je fais gaffe. Attendez. Alors avec toi, on s'entend moins 29 et 9. On va équilibrer un peu les choses. Ok. Et on note que je suis toujours pas dedans. Hein. Là, on s'entend 76, moins 25, moins 54. Voilà. Allez. Je sais pas sur quel front on fait la guerre, mais apparemment ça avance plutôt bien. Nous, on va se rendre à la taverne. On va choisir les prisonniers qu'on va rançonner. On va s'y reposer un petit peu pour que nos troupes se soignent, parce qu'on a beaucoup trop de blessés. J'ai des morts, hein, de toute façon. Je peux recruter. Je pense que je peux recruter sans problème. Oh bah oui. Oh bah oui, ma brave dame. Toi, on te recrute. Bah on va dégager ça. L'épéiste Vlandian, il est où? Ouais, on va essayer de se le garder. Ouais, quoi que j'y arriverai peut-être pas. Mercenaire, je libère. Banneret, je vais le garder. Fantassin Vlandian, je vais garder. Eux, je garde. Lui, je garde. Avant-garde, je garde. Je connais pas cette unité. Ok, j'en suis pas fan. Manalvon, on va dégager. Lui, c'était où? Il est tout en haut. Je sais que je pourrais pas le recruter. Lui, je sais que je ne pourrais pas le recruter, mais il est trop stylé. Il est trop stylé, je le garde. Allez, non, c'est bon. Je sais que je pourrais pas le recruter, ça sert à rien. J'ai besoin de place. Toi, je pourrais pas te recruter non plus. Toi, je pourrais. Toi, je pourrais, je pense. Cavalier mercenaire, j'en veux pas forcément dans mes troupes. Voilà, là, ça se tient. Ça se tient. On va se... Est-ce qu'on peut recruter des troupes? On peut. Tac, 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 tac. On recrute, hein. On a besoin. Et on attend. On va attendre. Là, on voit que mes troupes reviennent. Eux nous ont déclaré la guerre, on s'en fout. On va essayer d'aller prendre le château qui est là, hein, dès qu'on pourra. Radule du peuple de la forêt. Hop, on va cesser d'attendre, on va aller l'attraper. Il était de chez nous avant. Hop, on l'a attrapé. Et il y a toute l'armée avec nous. Je m'en fiche. Ouais, je t'aurai aucune pitié, mais je te rassure, je n'en aurai pas non plus. L'armée nous a rejoints. Ouais, et puis on va vite aller faire le siège. On va juste envoyer l'armée. Moi, est-ce que j'ai eu des pertes dans mon groupe? Lui, il en a eu 3. J'espère que j'en ai pas eu de trop non plus. 0. Les 10, j'ai la place ou j'ai pas la place pour les 10? J'ai la place. Donc j'ai la place. On récupère tout. Et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, du... Hop là. On va aller faire le siège nous-mêmes. Assiéger le château. On va se faire... Un trébuchet, un bélier. Là-haut, ils sont en train d'essayer de se battre, ils arriveront pas. Ils sont têtus, hein. Ils sont têtus, par contre, pour ça. Ça, c'est débile.
a été fait prisonnier, a été fait prisonnier. Donc nous on va choper le château. Ce qui est con, c'est que l'armée de la reine est passée et n'est pas intervenue. Bon, autant prendre le château, au moins ça on sait que ce sera fait. Les renforts arrivent. Lui, il arrive aussi. La main cachée, attendez. On va se le faire comme ça, l'assaut. Il n'y a qu'une baliste en face. Ils sont pas très nombreux, on va aller comme ça. On va mener l'assaut, je sauvegarde quand même, on n'est pas à l'abri d'un souci. Et j'aimerais bien, je pense que juste après, je vais dissoudre. Et je vais essayer d'aller les attraper plus ou moins individuellement, suivant l'état de mes forces, quoi. Mener l'assaut. On a dit. Donc là, on a le trébuchet, c'est bien. Bah écoutez, ça devrait bien se passer. Mince! J'ai oublié de prendre mon épée. Est-ce que je peux l'actionner le trébuchet moi-même? À ce moment-là, j'aurais dû prendre mon cheval, mais bon, là, ça me fait de gagner. Oh, remarque, le cheval, ça m'a fait gagner l'hésitation aussi. Ah bah voilà. On a réussi à y casser, je pense. Ils sont pas très très nombreux, hein. Vous voyez, ça part pas droit. Les flèches ne partent pas droit. Et j'ai vu qu'il y avait du monde là-dedans, je vous rassure. Bah quand même. Quand même. Hey, mais tu mets pas devant moi quand je tire. Allez les gars. Je fais zéro dégâts. J'ai plus de flèches. Je
ferai plus rien. Je cours pour courir, hein, c'est juste pour l'athlétisme. C'est con que je puisse pas récupérer la flèche plantée dans mon bras, là. Bon bah, on a gagné. Ça sert à rien qu'on court plus derrière eux. Ok, moi j'ai pris plus 3 en archerie. C'était bien, j'ai eu que 3 morts dans l'ensemble. C'est un siège qui aurait été plutôt rentable pour nous. Hop, on récupère ça. On fait monter ce qu'on peut faire monter. Est-ce qu'on peut recruter? Oui, on peut recruter un petit peu. On recrute les lanciers. Ça, ça fera de la bonne chair à canon. Soit ça fera un futur cavalier. Hop, on recrute. On doit être large. On n'est pas si large que ça, mais on a de la place. Hop, on récupère tout ça. Bon, ça, ça sera bien passé. Au niveau du royaume, est-ce qu'on me le propose? Bah non, on me le propose pas. On me le propose pas. Je suis dégoûté. Moins 27, 74, 45. Je vais remonter mes relations un petit peu avec tout le monde, hein. Ça pourrait être pas trop mal. Ouais. Bon, on va venir ici. Vous n'êtes... comment ça, je suis pas autorisé à rentrer? Vous rendez compte? Vous rendez compte, là? L'humiliation que je subis, là? Bon, bah, on va aller choper le château là-haut, là. Ouais, comptez pas sur moi pour le défendre, les gars. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, au niveau de vivre, on est tranquille pour un petit moment. L'armée, je pense pas qu'elle vienne nous affronter. Mais non, ils sont pas cons, hein, ils affrontent jamais dans les cas comme ça. Hop, on va assiéger le château. On peut tenir combien de temps? Voilà, ça risque d'être tendu. On va se faire le bélier en premier et la baliste après, parce que je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout faire. Donc je peux tenir 2 jours encore. Là, je tiens pas tout à fait 3 jours. Vous voyez. La cohésion, on a 22, on va en perdre 8. Là, pour l'instant, ça va. Donc là, je tiens encore une journée. Je commence à avoir du monde dehors. Beaucoup de monde d'ailleurs. Oula! Allez, on va mener l'assaut tout de suite. Pareil, on sauvegarde avant. Sous siège. Oui. Oui, 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 oui. Parce que là, ça pue. Chant quand on va sortir, ça va être gangbang. Hein. Hop. Ouais, ils sont nombreux. On va mener l'assaut tout de suite. Avant de se faire attraper par la grosse armée qu'on a au cul. Et j'ai encore oublié de prendre l'épée. J'ai encore oublié. Faut vraiment que je me fasse greffer un cerveau. Ils sont combien de défenseurs? Ils sont à peine 80 en face. Donc vous voyez, hein, moi qui ai mis... qui ai 200 hommes ou 250 hommes qui défendent mes places, ça sert pas à grand chose. Je vais lui mettre un petit coup de lance, ça va peut-être le faire bouger là, il est tout bugué. Ouais. Mais il est armé déjà le trébuchet là. Oh, c'est pas grave, c'est bugué. On le verra peut-être se débloquer d'ici la fin.
Allez, nous on va essayer. Ah bah ça y est, il a tiré. Par contre, ça a été efficace. Hein. Vous voyez, il a détruit directement un bout de, du schmilblick. Par contre, il faut que je fasse gaffe, il y a la baliste là. Il y a une baliste, deux balistes. Ouais, là il y a du monde aussi. Ils ont pas l'air de trop me cibler. Ne te penche pas comme ça, mon dieu. Faut m'expliquer comment j'ai fait pour le manquer. Voilà. On a gagné. 25 morts. Moi j'ai eu 3 morts. Alors dans mes morts j'ai eu un légionnaire impérial, un conscrit impérial et un archer impérial. Donc ça va, c'est des pertes minimes. On a eu 7 montées en niveau. Moi j'ai pris 3 en archerie. C'est bien, bah l'archerie ça monte assez vite dans les sièges. Et il me restait encore des flèches. Allez. Là ça se passe. On recrute. On va recruter. On recrute. On recrute. Je recrute tout ce que je peux, hein, à mon avis, je suis large. Terminé. Ouais, mais on va au château. On va au château en même temps. On continue. Allez, vite. Voilà, on est dans le château. On va attendre un petit moment ici. Hop. On va dissoudre l'armée. Oui. En effet. Le château, il est acquis. Je peux prétendre au château ou je peux pas? Non, je ne peux toujours pas. Donc moins 40, 72 et moins 13. Pff, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça me fatigue et moi j'ai toujours droit à rien. Je sens que je vais aller créer mon royaume, ça va être plus simple. Allez, on va cesser d'attendre, vu que c'est pas à moi, je vais rien laisser. On va l'attraper les petites troupes. On va aider le groupe, mais face à 37, on va juste envoyer l'armée. J'ai 5 morts quand même. Ah non, c'est pas moi, c'est Serrano. Mais j'ai 5 morts quand même aussi. Hein. Ouais, je suis arrivé juste à temps. Bah j'espère bien que tu n'oublieras pas. Je récupère. Et au niveau des troupes, ouais, bah je vais les prendre. C'est pas forcément le top du top, hein, mais quand on est en période de guerre, faut pas faire la fine bouche non plus, quoi. Hop. On va récupérer le loot. Hop, et le peuple de la forêt, on va l'attraper, mais on va l'attraper, on va être tout seul. Et il y a une armée de 271 juste derrière.
Vous savez que nous sommes en guerre, rendez-vous ou mourrez. Vous voyez là, ils sont gentils, ils se tirent tous là, les pleutres. Ils se tirent tous. Mais de toute façon, on va faire pareil, on va se barrer après. Je vais faire la bataille. Infantry! F3, F2. Former Shield Soldiers, move! Horsemen, archers! Forward! Cavalry! F1, F2, F4. Allez, venez. On va se faire leur cavalier. Là, mon biquet, attends, tu fais comme ça. Allez, les gars. Non, ouais, faut faire un malheur dans les archers. F1, F4. Ils se défendent pas trop mal, hein. J'ai envoyé mes piétons aussi à la charge. Voilà. Là, ça se passe bien. 3, F1, F2. 1, F1, 3. 3, F1, F3. Oh, à ce distance, Joe. Oh. Quand même. Là, apparemment, ça fuit par là-bas. Encore un qui a survécu. J'ai combien de pertes, moi? Pas un seul mort. Bon, faut dire qu'on était beaucoup plus nombreux. Ah, il a fui par là-haut. Eh bah, mon dieu. Ah, mais j'ai été couillon, j'aurais pu mettre mes troupes ici en défense. Là, je faisais bouger mes troupes ici pour la défense. On était parfait, imprenable. Ok, bon bah c'est le GG les gars, c'est le GG. Par contre, va vite falloir qu'on se tire parce qu'il y a une armée de 250 bonhommes qui va nous fondre sur la gueule. Tu es désormais mon prisonnier. Et vous avez vu que le symbole qu'il a sur la tête, c'est le symbole que j'ai moi. Hein. Ah mais c'est les troupes là. Là c'est les troupes. Eh bah c'est le moment de faire place et de dégager les péons. Ça, c'est tous des prisonniers qu'il a chez lui. Alors, je prends
Je prends. Ça, je prends. Je vais avoir des troupes en trop, je pense, mais on va prendre tout ce qui j'estime avoir besoin. On va prendre tout sauf les conseries, hein, finalement. Ouais, je laisse ça. Je suis déjà en surnombre. Hein. Ouais, j'en ai déjà beaucoup. Et dans les prisonniers. En prisonnier, c'est pareil. Hein, je prends tout, je ferai le tri après. Toi, tu voudras pas. Ça sert même pas grand chose qu'on essaie du pareil, il parlera pas. Voilà. Comme ça, on voyagera un peu plus léger. On récupère tout. Et on se tire vitesse grand V. On se tire vitesse grand V. Ah, Jamalris. On va laisser se débrouiller. Là-haut. Il y a un petit groupe de 60, si on peut l'attraper. Je crache pas dans la soupe. J'aime pas qu'on se fasse raider, c'est pour le principe. En plus, on est en guerre, donc vous savez que nous sommes en guerre. T'as pas envie de te battre contre moi? Mais je sais que t'as pas envie de te battre contre moi. Moi non plus, j'aimerais pas me battre contre moi si je me voyais en face. Surtout un mois avec 146 pelés, quoi. Non, là, clairement, j'y vais, parce que j'ai des troupes en trop, donc faut que j'ai des morts. C'est la seule raison qui fait que là, j'y vais, hein, c'est que j'ai besoin d'avoir des morts. Oh! Là, on a une belle position. Raise archers! Move! Cavalry, follow me! Vous allez me suivre. En plus, avec le petit cours d'eau juste avant. Archers! Infantry, forward! Mais ils vont pas venir, hein. faut pas croire, ils sont cons, mais pas à ce point. Ouais, ils vont pas venir. Elle en jette quand même ma troupe. Hein. Voilà, c'est qui nous tire dessus. Allez les gars, suivez-moi. Oula. Je vais mettre mes archers ici. Archers! Forward! Soldiers! Move! Les piétons ici. On va redonner aux piétons. F1. Advance! On va leur donner d'avancer. Ils vont servir d'apport. Pendant que nous, on va se déplacer avec les archers. Archers! Infantry! Infantry! F1. Hold your ground! Archers! Forward! Move! Footman! F1, F4.
Voilà, comme ça ils sont pris entre deux, ils savent pas où ils vont aller. Archer, infantry. Voilà, moi j'accepte de prendre des dégâts, ça me gêne pas. Allez, à nous les gars. F1, F3 maintenant. F3. Allez les gars, faut qu'on protège nos archers quand même. Voilà. Moi, je suis content de ma stratégie. Zéro mort. Zéro mort, les amis. Bon, ils étaient pas nombreux. On était 3 fois plus... 4 ? 5 fois plus nombreux. Entre 4 et 5 fois plus nombreux. Mais zéro mort quand même. Zéro mort quand même. Je suis fier de moi. J'aurais laissé l'IA faire. On aurait eu des morts. Mais moi qui disais que j'avais fait la bataille pour avoir 2-3 morts. Eh ben, même pas du coup. Ça, c'est parce que tu pillais nos terres, mon grand. Non, non, les gars, arrêtez, vous savez, je peux plus, là. Je suis full, quoi. Je suis full. Ouais. Ou sinon, faut que je dégage un petit peu du troufion de base. Allez. Le milicien, on le libère. J'ai combien? Ah, j'en ai quand même beaucoup. J'ai du conscrit qui traîne encore. Ah, j'ai... Ça fera toujours un peu... Ouais, ça me fera patienter jusqu'à ce que j'arrive à la cité. Je préfère éviter les désertions avant d'arriver à la cité. Je préfère, moi, lâcher des hommes et leur dire d'y aller. C'est bon, on s'est pas fait attraper. Attendez, il se passe quoi, là? Ouais, vas-y, on va l'aider. Vite, il a encore un homme, aidons-le. Vite, c'est une question de vous de mort. Qui c'est qui a eu le kill? C'est mon armée qui a eu le kill, j'y crois pas. C'est vraiment des charognards. Les troupes de Saladin, c'est vraiment des charognards. C'est bien, mes braves guerriers. Je suis fier de vous. On y va, il n'y en a qu'un seul et c'est vous qui le tuez. Franchement, je suis trop fier, les mecs. Ah non, faut qu'on l'attrape, faut qu'on l'attrape, faut qu'on l'attrape. Hop. J'ai vu que j'avais moins d'hommes aussi. Oh, mais c'est un acérail. Bah tant pis, sa tête va rouler. Hein. Ça se trouve, en plus, il est de la famille de ma femme. Je connais votre nom. J'ai entendu dire que vous avez pris le château d'Ortegea. Oui, mais j'ai aussi pris plein de cités, plein de châteaux. Je te dis, si je devais me faire tatouer tous les châteaux que j'ai pris durant toutes les guerres depuis que j'ai commencé le jeu, j'en aurais surtout l'avant-bras, là. Surtout... Ouais, même surtout le bras. Si on faisait un par ligne. Bah, tu sais ce qui t'attend, hein. T'as pas envie de te battre contre moi? Je sais. Je sais que t'as pas envie de te battre. Moi non plus. Je vous le dis tout le temps. J'aimerais pas me battre contre moi-même. Mais on va se faire cette vidéo au prochain épisode, les amis. On voit qu'on se fait raider là-haut. Mais je vais pas y aller tout seul. Ça se trouve, c'est la grosse armée de 250 bonhommes là, ou de 300 bonhommes. Alors c'est vrai que je pourrais peut-être le faire, mais je suis pas suicidaire.